le chef de cabinet représentant le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Madame la chef de cabinet représentante du gouverneur de Conakry, Monsieur le directeur national des établissements publics, Monsieur le directeur général de l'hôpital de l'Amitié Sino-Guinéen, Mesdames, Messieurs les administrateurs d'Orange Guinée, Monsieur le président du conseil de fondation d'Orange Guinée, Madame l'administratif général de la Fondation Orange Guinée, Mesdames et Messieurs membres du conseil de fondation d'Orange Guinée, chers représentants du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, chers partenaires, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Nous sommes aujourd'hui réunis pour célébrer une étape majeure de notre engagement pour la Guinée et de notre engagement pour la santé publique en Guinée. Cet événement incarne la volonté et la détermination d'Orange Guinée à contribuer auprès du gouvernement à améliorer la qualité de vie des Guinéens et particulièrement celles et ceux qui souffrent de maladies rénales. En seulement 6 mois, grâce à la vision et à l'engagement de la Fondation d'Orange Guinée, nous avons réussi à concrétiser un projet ambitieux qui va assurément transformer le quotidien de nombreux patients. C'est donc avec un immense honneur que je participe aujourd'hui à cette cérémonie d'inauguration du nouveau centre de dialyse ultramoderne situé au cœur de l'hôpital sino-guinéen de Kipe. Ce centre répond à un besoin urgent, le traitement des maladies rénales qui touchent de nombreux de nos compatriotes. Avec un investissement important de près de 7,5 milliards de francs guinéens, nous démontrons une fois de plus notre engagement ferme pour un accès équitable à des soins de santé de qualité pour tous sans exception. Il s'agit d'un signal fort de notre volonté de contribuer auprès de l'État guinéen à renforcer le système de santé national. Ce centre n'est pas seulement une infrastructure, c'est une réponse concrète aux défis sanitaires auxquels la population est confrontée. Il représente le 3e centre public de dialyse de la Guinée, s'implémentant précisément dans la commune de Ratoma, afin de nous permettre à plus de patients d'accéder aux soins dont ils ont besoin pour vivre. Nous ne nous arrêtons pas là. Aujourd'hui, nous mettons à la disposition donc, du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers l'hôpital de l'Amitié Sino-Guinéen, un bâtiment neuf, meublé et entièrement équipé. Les experts techniques de l'hôpital, des centres de Donka et de Assigui, épaulés d'autres experts venus de l'étranger, prennent désormais le relais pour assurer l'opérationnalisation rapide du centre. Notre objectif commun est clair, accueillir dans les prochaines semaines, je voudrais même dire dans les prochains jours, les premiers patients. Et la Fondation Orange Guinée restera bien entendu aux côtés de ses partenaires pour veiller à ce que cette ouverture puisse se faire dans les plus brefs délais. Mesdames et Messieurs, je vous demande donc de partager tous cette bonne nouvelle. Ici, dans quelques jours, le centre sera prêt pour recevoir ses premiers patients, avec une capacité initiale de 54 séances par jour, extensible à 120. Et ensemble, nous devons faire afin que personne ne soit laissé pour compte dans l'accès aux soins. Ce moment est aussi l'occasion de rappeler que les maladies rénales chroniques peuvent être évitées. La Fondation Orange Guinée restera donc mobilisée à côté de l'État dans la prévention des maladies comme le diabète, l'hypertension, à travers notre caravane de santé dédiée aux personnes âgées. Car la santé n'attend pas, notre engagement est là pour faire de la santé un droit accessible à toutes et à tous. Mesdames et Messieurs, avant de conclure, je voudrais sincèrement remercier le gouvernement de l'État de Guinée, plus particulièrement le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, notre ministère de tutelle, pour le soutien constant et particulièrement dans ce projet. Remercier également nos partenaires publics et privés, particulièrement Monsieur le directeur général de l'hôpital qui dès le début a accueilli ce projet, l'a suivi
et nous permet aujourd'hui d'en arriver à cette étape et ensuite va prendre le relais pour que ce centre puisse être utile pour les populations. Nous exprimons également notre gratitude envers toutes les experts techniques qui ont contribué à la réalisation du centre et ceux qui vont maintenant veiller à ce que l'ouverture en bon ordre puisse se faire prochainement. Ensemble, nous avons la capacité de changer des vies et de construire un avenir meilleur pour la Guinée. Permettez-moi, avant de terminer également, de féliciter chaleureusement M. Ousmane Boly Traoré, président du conseil de fondation d'Orange Guinée, directeur général d'Orange Guinée, Mme Amina Abou Khalil, administratrice générale de la fondation d'Orange Guinée, ainsi que tous leurs collaborateurs. Je vous dis bravo pour votre engagement à faire au quotidien que chacune de vos réalisations soit une œuvre utile pour les populations de Guinée.